Bonjour. Si vous êtes curieux et que vous tapez carte à pince maternelle dans Google, vous allez voir que vous obtenez une quantité de réponses très intéressantes. Si vous mettez en mode image, vous allez effectivement trouver des présentations différentes. Je vous invite à les consulter, notamment pour voir eh bien, que, il y a d'autres façons de présenter la carte à pince, hein, comme par exemple celle-ci. Mais également, on peut, voyez, l'appliquer dans d'autres domaines, notamment pour l'écriture. Ici, on a trouvé un système d'association des lettres capitales et des lettres cursives, hein, écrites sur des épingles à linge. Donc, vous voyez que vous pouvez désormais, maintenant que vous maîtrisez Draw, concevoir d'autres cartes à pince dans d'autres domaines. Et vous inspirer de ce que d'autres collègues ont fait sur le web. À bientôt pour un autre tuto.